Waouh, jette un œil à un nouveau dans le portail. Waouh, let's go pour découvrir cette nouvelle mise à jour qui a l'air incroyable. Hello les gens, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une vidéo très spéciale. Car aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle mise à jour, la dimension ardente. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Donc du coup, dans cette mise à jour, ça concerne encore la leurre. Merci d'ailleurs, je remercie encore parce que la dernière vidéo sur la leurre, elle a dépassé les plus de 1000 vues. C'est la première vidéo qui a dépassé les 1000 vues, donc merci beaucoup. La marche se passe dans, on va se téléporter directement, donc l'explore, la dimension. C'est parti. Donc quand on arrive dans ce magnifique endroit où j'ai déjà fait une vidéo de présentation d'ici, même si l'endroit a légèrement un peu changé avec quelques petites nouveautés. Et là, la mise à jour se passe, donc on va prendre notre petite licorne et on va se balader partout pour ramasser, comme ce que j'avais dit dans la dernière vidéo de ça, ramasser tous les trucs, tous les petites nourritures qui ne se mangent pas d'ailleurs. Je vais ramasser tout ça et on se retrouve, je vais mettre ça en accéléré car ça va être un petit peu long. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller se diriger, ramasser la petite potion. Donc, voyons voir ce qu'il nous dit, Tim, d'ailleurs. Et les teams, regardez qui voilà. On a cuisiné, on a tout essayé, mais cela n'a rien à donner. Enfin, jusqu'à maintenant, si les recettes changent un peu, alors regarde bien. Il faut les pipora, les flambés et les mangoumas. Ajoute-les à toutes et à faire les cuire à une température dépasse cette proposition consommée. Oula, je sais plus parler. Non, comestible pour nous, mais bon, bref, on s'en fiche de ce qu'il dit. Gna gna gna. Donc, sans faire exprès, je riais dessus. Voyons voir ce qu'il va nous donner. Bah, du coup, il va nous donner la petite brochette. Et voilà comment on a la petite brochette. Ensuite, à côté, on a tout ce qu'il y a. On peut voir qu'il y a des petswares. On a aussi un lapinou juste à côté, là, ici. Voilà, il est trop beau. Et à côté, on a un fox, un oiseau et le rhinocéros. Voilà, voilà, du valou. Maintenant, on va aller se diriger vers chez moi. On va directement se renseigner pour que ça aille plus vite. Donc, maintenant qu'on est arrivé chez moi, on va directement se diriger vers la leurre. On va cliquer dessus. On va prendre la petite brochette et voilà. Maintenant, on va attendre 10 minutes et on se retrouve quand c'est fini. Parce que bon, c'est un petit peu long. Ah, donc, à très vite. En attendant que la leurre se dévoile, vous pouvez toujours aller récupérer parce que vous pouvez voir que le récipient dure moins longtemps que la leurre, qui dure à peu près 6 minutes alors que la leurre c'est 10 minutes. Donc bien sûr vous pouvez toujours aller ramasser ce qui vous manque, donc comme ça au moins ça vous fera encore un petit peu de nourriture, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller en chercher la prochaine fois. Bon, ça doit faire 10 minutes là, j'en ai marre d'attendre, hein. Donc bah on va aller voir si c'est bon parce que je commence à en avoir un petit peu marre. Ah bon, bah j'ai de l'argent, mais bon, au moins je peux vous montrer que c'est grâce à ça que vous pourrez avoir le légendaire, le nouveau rhino que j'ai eu. D'ailleurs je vous le montrerai tout de suite. Il est où? Il est là, voilà. Ah, le petit rhino volcanique, il est trop beau, là là, comment il brille, il est trop beau. Enfin bref, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto pour essayer d'avoir le rhino volcanique vous aura plu, ainsi que la petite mise à jour. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Allez, salut!